Le défilé Christian Louboutin rassemblait ce jeudi des personnalités internationales, du monde de la mode notamment. Mais pas que. Alors que la Fashion Week parisienne bat son plein en ce moment dans la capitale française, ce 2 mars au soir avait lieu le défilé Christian Louboutin sur la scène du Théâtre National de l'Opéra Comique. Pour ce spectacle de danse et cette performance musicale intitulée The Loubi Show et organisée pour célébrer les 30 ans de la marque à la semelle rouge, de grandes vedettes internationales s'étaient réunies. Il faut dire que le créateur français, désormais installé aux États-Unis, est un ami des stars. C'est à l'âge de 27 ans qu'il fonde la marque qui porte son nom. Après avoir été rapidement repéré dans sa boutique parisienne par des journalistes de mode et surtout par la grande Anna Wintour, le chausseur qui dessine pour les femmes réussit à ouvrir son premier magasin à New York 2 ans plus tard. C'est là le début de la gloire. Les stars internationales réunies pour Christian Louboutin depuis, rares sont les passionnés de mode qui ne convoitent pas un escarpin à la semelle rouge, symbole de réussite et de raffinement. La marque est devenue une incontournable chez les personnalités du monde entier, la preuve avec le nombre d'entre elles qui étaient présentes, ce jeudi, à l'occasion de la présentation parisienne du chausseur. La chanteuse Avril Lavigne était l'invitée d'honneur de la soirée. Alors que son ex-compagnon Modson avait annoncé leur rupture sur Instagram et que celle-ci l'avait confirmé avec le t-shirt qu'elle portait dans la journée, elle s'est présentée dans la salle parisienne accompagnée d'une amie et vêtue d'une veste noire oversize en cuir et de chaussures montantes à lacets. Émilie in Paris, les Français et la mode. Le défilé accueillait aussi d'autres stars internationales comme les acteurs de la série Émilie in Paris, Ashley Park qui joue la meilleure amie de l'héroïne, accompagnée de Paul Forman qui joue son petit ami Nicolas et, forcément, Philippine Leroy Beaulieu, l'icône française de la fiction dans le rôle de Sylvie Gratteau. Les Français avaient également une place de choix parmi les invités du créateur français, Bilal Hassani, Léna Marfou, Louane ou l'acteur français Nicolas Maury et l'actrice Farida Khelfa. Et puis, des grands noms de la mode avaient fait le déplacement dont la mannequin Natalia Avodianova et son mari l'homme d'affaires français Antoine Arnaud, la mannequin de la marque Victoria's Secret Elsa Osk ou encore la mannequin Coco Rocha, accompagnée de l'actrice espagnole Rosy de Palma, son amie qui avait, comme elle, été la muse d'un autre grand créateur, Jean-Paul Gaultier. À lire aussi Fashion Week 2023, Marina Foïs, Tina Kuneiki, Louane, Géraldine Nakache. Les stars réunies au défilé Paco Rabanne.